notre pays depuis 5 ans est sous une gouvernance inacceptable à tous les égards, au point de vue financier, politique, au point de vue sécuritaire, au point de vue social et économique. Donc, par conséquent, le pays aujourd'hui, et ce n'est pas exagéré de le dire, est au bord de la rue. Nous ne pouvons pas continuer avec cela. Deuxièmement, si nous avons choisi d'être dans l'opposition, c'est pour proposer un projet crédible, alternatif au régime actuel. Donc, nous considérons que l'alternance est une exigence pour que le Mali puisse se choisir et notre destin. Nous avons besoin d'une légitimité nouvelle qui pourrait affronter l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avions commencé avec une situation sécuritaire au nord du pays. Nous avons perdu, du fait de leur gouvernance, une partie du nord du pays. L'insécurité s'est développée dans le centre du pays. Aujourd'hui, nous frisons partout les ruptures des digues sociales et culturelles qui font que toutes les populations qui ont vécu des millénaires ensemble sont aujourd'hui dans des situations de conflit. Et avec la circulation des armes légères, cela complique et occasionne des violences qui sont à tous les égards inacceptables. Cela, il faut le stopper. Il faut stopper le délitement sécuritaire, il faut stopper le délitement communautaire. Il faut rétablir la République. Cette gouvernance, cette majorité gouvernante a montré toutes ses limites. Elle n'a plus aucune crédibilité pour conduire un vrai processus de sortie des crises du Mali. Nous sommes préoccupés. Partons du principe. Si ce n'est les insuffisances de cette gouvernance, il n'y a aucune fatalité que le Mali n'ait pas d'échéance électorale républicaine et démocratique respectée, d'alternance paisible. Parce que notre démocratie, malgré des insuffisances, a quand même pu sédimenter sur un certain nombre de points. Donc aujourd'hui, le processus électoral, nous avions exigé qu'il y ait un agenda. Un agenda doit être l'objet d'observation et de suivi. On a besoin, en toute transparence, de savoir comment les choses se passent, qui fait quoi et quand. Nous avons assisté à une loi électorale qui a été revue, qui a mis en cause un certain nombre d'éléments, tout en apportant quelques aspects qui nous semblent positifs. Aujourd'hui, il est important, comme je l'ai dit, le gouvernement s'attelle à cela. Il y a les questions politiques. Il faut l'organiser au point de vue politique. Je crois que toute la classe politique et la majorité gouvernante, je lui fais crédit de cela, dit qu'il va organiser et le Premier ministre l'a affirmé à plusieurs reprises. Deuxièmement, il me semble que les capacités techniques et logistiques d'organisation des élections existent. Nous avons un potentiel, une capacité dans ce cadre-là qu'il faut déployer comme il faut. Troisièmement, c'est l'aspect de sécurisation qui, elle, emprunte à la fois la sécurisation de tout le processus, la sécurisation des acteurs administratifs et des acteurs locaux qui doivent être sur le terrain, la mise à disposition à temps de tout ce qu'on peut appeler matériaux ou instruments de vote et particulièrement la distribution des cartes d'électeurs. Nous suivons très attentivement ce processus-là. Nous sommes tous conscients qu'il faut sécuriser. Le plan de sécurisation intégré doit être conduit comme il faut. Il doit bénéficier des moyens et des ressources nécessaires. Le temps que ces élections se fassent, le temps qu'une nouvelle autorité soit en mesure vraiment de lancer un vrai processus de sortie des crises au Mali. Il faut le dire, le processus de sortie le plus solide, le plus durable, doit être malien et nous devons accompagner dans cela. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer. Nous sommes partis du principe que nous devons avoir un processus de développement sur le long terme. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes qui sont urgents, beaucoup de problèmes qui sont prioritaires, mais dont les 90% trouvent leur résolution dans la durée. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc, au lendemain, il y a une question qui est centrale, c'est la question de l'État. Il faut recommencer à redresser l'État avant de le refonder. Et le redresser pour nous veut dire qu'il faut déployer une dynamique de mesures de très court terme qui sont fondamentalement d'ordre sécuritaire pour consolider le plan de sécurisation intégré sur au moins 10 mois en attendant de pouvoir avoir un plan beaucoup plus solide qui va au-delà de ça. Il faut un vrai dialogue national aujourd'hui pour que nous puissions rebâtir nos institutions, les Maliens puissent créer les institutions dans le fonctionnement desquelles ils se reconnaissent. Créer ce nouveau lien de confiance entre gouvernants et gouvernés. Nous avons été partout. La question de l'eau, la question de l'énergie, la question des routes, toutes les questions fondamentales, c'est le manque de perspective
Les Maliens ne sont pas informés de ce qui va se passer. Ils ne savent pas quand est-ce que les problèmes d'eau potable vont être résolus. Les problèmes d'eau agricole, les problèmes d'eau pastorale vont être résolus. Ils ne savent pas non plus comment tel et tel aspect vont être résolus. Il faut les sortir de cela, les faire partie prenante. Tout le fondement, c'est la sécurité, c'est le développement, c'est la démocratie. La charpente, c'est un état, une stratège, un état solide. Et les branches, évidemment, c'est des espaces territoriaux suffisamment décentralisés, suffisamment adossés à l'État pour permettre l'émergence de ces pôles de développement et de croissance régionale qui permettent de donner des perspectives à chacun et à chacune où qu'il se trouve. Je crois qu'il y a des choses à clarifier. Kidal fait partie du Mali. La souveraineté, l'intégrité du territoire du Mali, les caractères de ces institutions, que sont l'État, que sont la laïcité, ont été reconnus par tout le monde, bien avant l'accord de Ouaga, bien mentionnés dans l'accord de Ouaga et président à l'accord qui a été signé. Ça, c'est un fait. La première responsabilité, c'est celle du président de la République, qui n'a pas su insuffler un leadership stratégique, un leadership de coordination stratégique de la mise en œuvre de l'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile où les principaux éléments d'ordre sécuritaire n'ont pas été véritablement mis en œuvre, à plus forte raison les éléments institutionnels. Les FAR parlent, et moi-même je parle depuis des années, du nouveau pôle politique, de cette polarisation de notre paysage politique, pour que sans décréter la mort, entre guillemets, et la disparition de quelques partis politiques que ce soit, que cette dynamique de polarisation nous conduise sur un moyen terme à peu près à deux ou trois grands groupes politiques. Cela permettra une nette clarification. C'est pourquoi le nouveau pôle politique se réclame de la gauche républicaine et démocratique, qui a sa propre compréhension de notre situation, qui a sa compréhension de ce que devrait être le rôle de l'État, qui doit être un État stratège, qui doit appuyer le développement de nos potentiels et donc le service privé dans ça, mais qui doit veiller aussi à la redistribution du progrès social pour l'option d'un véritable programme partagé à la fois pour aller à la conquête du pouvoir, mais aussi et surtout pour l'exercice du pouvoir, au profit des Maliens seulement exclusivement. Notre jeunesse a comme préoccupation son avenir, ses perspectives, et qui se traduisent au quotidien par les problèmes d'emploi, les problèmes d'école, les problèmes de formation, les problèmes d'identité culturelle. Et ces questions-là sont d'ordre fondamental. Nous nous considérons que d'aucuns pensent que c'est une bombe. Non, ce n'est pas une bombe à réparer. Au contraire. Moi, je dis parfois que c'est une bombe de développement. C'est une capacité inouïe. À quelles conditions qu'on s'en occupe, qu'on s'en préoccupe, qu'on parle avec la jeunesse, qu'on parle avec les jeunes, qu'on leur fasse confiance. C'est pourquoi je disais que depuis 2012, que le mandat qui vient, c'est un mandat de transition. Et notamment dans cette transition-là, qui est une transition générationnelle. Je le dis, nous serons là pour qu'ils occupent les places qu'il faut, suivant leurs compétences, qu'ils soient également préparés en comprenant un certain nombre de choses, et que la question de l'éducation soit complètement revue, notre programme permet de le reprendre entièrement. Que la question de la formation et de l'éducation emploi soit nettement revue à travers ce système-là, et qu'il soit délocalisé des entités de formation et professionnelles comme les lycées techniques et professionnels au niveau de chaque cercle, les centres de formation professionnelle partagés par dans l'intercommunalité entre une ou deux communes ou dans une commune lorsque ses capacités le requièrent. Moi, je n'ai aucun problème concernant ma position vis-à-vis de l'opposition républicaine et démocratique. Je ne suis pas en dehors, nous sommes nous aussi membres de l'opposition républicaine et démocratique. Le nouveau pôle politique est membre de l'opposition républicaine et démocratique. Nous avons dit simplement que nous n'avons aucun problème avec l'URD, ni avec le chef de file de l'opposition, ni aucun problème. Mais je le dis, qu'il soit clair pour tout le monde, chaque fois qu'il y a des différences d'approche politique, qu'il y a des différences, je dirais parfois, peut-être pas idéologiques, c'est trop fort, d'approche, ou des différences sur lesquelles sont fondées sur ce que nous pensons être l'intérêt majeur pour notre peuple, nous n'hésiterons pas à prendre une position, à affirmer cette position et à la défendre. Moi, je crois qu'il faut que les uns et les autres commencent à comprendre que le jeu politique, les prises de position, il faut cesser de croire que tout est égaux, que c'est égotique. Chaque fois qu'on parle, non, c'est les égaux, c'est les égaux, je dis non. Il y a aujourd'hui des problèmes politiques, d'approche des questions majeures. Je ne suis pas sûr
que nous ayons la même compréhension de ce qui doit être l'État stratège, son rôle majeur. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur la question de la refondation et toute la démarche à conduire derrière cela. Donc ça, c'est les positions politiques. Qu'on les affirme, ça ne veut pas dire qu'on a quel problème que ce soit. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Nous sommes fortement engagés pour le Mali, pour la reconstruction du Mali. Nous sommes fortement engagés de sortir de cette espèce de croissance qui est inhumaine, où on nous parle de 5% de croissance, et il y a autant de désespérance, où il y a autant d'absence de perspective, où il y a autant de pauvres, il y a autant de jeunes sans emploi qui sont confrontés au drame de la Méditerranée. Non, nous devons sortir de ce type de croissance-là, de 5%, dont le profil est connu, n'est pas redistributif, nous devons en sortir. Nous avons un projet et un programme pour en sortir sur le moyen et long terme, et je crois que c'est tout à fait jouable dans ce cadre-là pour redonner à notre croissance un autre profil que nous connaissons aujourd'hui, qui soit véritablement le développement. La croissance, c'est la mesure de l'évolution du PIB à un moment donné. Le développement, c'est la transformation structurelle. Donc la croissance doit mener à ça et non être la croissance pour la croissance. Pas que c'est moi qui suis inébranlable, c'est les phares qui le sont. Nous sommes apaisés. Nous sommes constitués par des gens libres, librement venus. De la même manière, des gens librement peuvent penser qu'ils peuvent sortir des phares ou aller continuer leur vie ailleurs. Il n'y a aucun problème à cela. Comme d'autres nous rejoignent, et heureusement d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens nous rejoignent, soit au niveau des phares, soit au niveau des mouvements associatifs, etc. Et ça, c'est le plus important qui compte. Il y a un avenir pour notre pays. Il y a un autre destin pour notre pays que celui qu'on est en train de lui faire. Mais il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Que nous ayons conscience de nos capacités. Nous allons proposer, nous allons construire avec eux une sortie de crise durable qui nous mènera vers une véritable stabilité structurelle du Mali et qui ouvrira tous les espoirs pour nous. La confiance en eux-mêmes, la confiance en un avenir de notre pays, je peux le dire, nous ferons le Mali.